Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais une review Disney Store Frozen, la Reine des Neiges avec Elsa. Donc voici la boîte. On a le logo Disney Store en haut à gauche, le logo Frozen en bas, un dessin d'Elsa. Vous pouvez voir la poupée à travers la boîte. Voici l'arrière de la boîte avec un portrait d'Elsa et un portrait d'Anna. Donc c'est les poupées classiques. Alors si vous voulez, vous pouvez voir Hans ou Christophe sur ma chaîne. Voici Elsa déboxée. Alors elle est vraiment vraiment très très bien faite. Je trouve qu'elle est très ressemblante. Et je suis super content en fait de la voir parce que je l'attendais depuis des mois, elle était en rupture de stock. Donc je vais vous montrer de plus près la poupée. On va commencer par son visage. Alors elle a les yeux bleus, un regard sur le côté. Elle a les cils peints, un maquillage rose autour des yeux, mais c'est pas des, il n'y a pas d'implant de cils. On a vraiment l'impression que ça ressort bien, mais non, c'est juste de la peinture. Un rouge à lèvres rose fuchsia. Donc les cheveux blonds. Donc ici les mèches sont gelées. Voilà. Donc ça fait une coiffure un peu bizarre, mais bon c'est pas grave. Alors il y a sa natte. Voilà. Assez longue, c'est bien. Alors sinon bah, sa robe est pas mal, on va dire. Elle n'est pas parfaite. Parce qu'ici vous voyez, il y a encore un petit fil qui ressort, donc c'est pas parfait la finition. Elle a articulé bah, des bras au niveau des coudes, des poignets, tout ça. Donc on peut lui faire pas mal de poses. Bon, elle tient pas debout toute seule, faudrait un socle, malheureusement. Bah, il n'y en a pas. On peut faire avec, tant pis. De toute façon, je la remets en boîte. Donc sa robe, là, en fait, les manches sont transparentes. Et à l'arrière, on peut retirer. Hein. Alors ici, donc, sa traîne est très très sympa, parce que donc transparente. Et on a les motifs de flocons. Et en fait, c'est bleu pailleté. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il y a des paillettes. Et bon, ça se colle au doigt, par contre. Donc, faut pas trop manipuler, parce qu'elles vont toutes partir. Voilà, donc sur le devant, c'est comme cela. Je vous montre. Et c'est entrouvert ici. Voilà. Donc, c'est articulé au niveau des jambes. Je vous montre. Au niveau des genoux et des pieds aussi. Donc voici ces chaussures qu'on peut retirer. Donc ils ont mis des élastiques pour qu'ils tiennent, ils ne doivent pas bien tenir, je ne vais pas les retirer. Voilà. Donc là, bah, c'est soyeux hein, la matière. Ici c'est aussi pailleté au niveau du haut de la robe. Donc voilà pour la review d'Elsa, poupée Disney Store. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une prochaine review Disney. Salut !